reenactment as harmless swinging can cast the player as one that will not die, but who will cross smoothly the threshold to the next life stage instead. The feelings of such interstitial periods are usually anxiety and fear, perhaps simulated by the sensation of vertigo that one experiences when swinging. In its aesthetic and social function, swinging exposes the desirable female body to the male participants of the festival in an ambiance of joy and eroticism. In sum, in contrast to Erigone and the women of tragedy, the swinging maidens performing the ritual are wished a smooth passage to maturity under the aegis of their elders and the gods of the polis. It is possible that the etiological myths of the Hung Maiden sought to explain a pre-existing custom. Interestingly, the terracotta model of a young female on a swing framed by pillars topped by birds is not in the Aegean since the Marinoan period. It has been interpreted as part of a broader composition with child figurines that witnessed the epiphany of a pubescent deity on the swing. A small number of Attic and South Italian-based paintings spanning the 6th to the 4th century depict the art of swinging and bring to the fore various concepts associated with it. The content of the images varies, but most highlight the interaction between the swinging females and the onlooking males, while others the eroticism of maidenhood. Earliest are the scenes on three later cake amphorae, where the protagonist is a girl on the swing, surrounded by males of various ages and occasionally women. Bare-legged males may be identified with the girl's father, while women may be her relatives or friends. Individuals of other age groups featured in proximity to the protagonist are an figure best seen as the maiden's future groom, and gesticulating children. The only signs of a festival occasion here are the fillets worn by some of the figures. The Thespis's reverse bear scenes of similar content, namely the modern wife Alcestis on her way back from Hades, or the Ephebismos, a typical game of girls. Two of the black figure scenes are studied, showing the maiden seated still on her differous swing. The vivid movement is shown only in the scene by the crimson painter, who tends to highlight the corporeality of the female bodies, as seen also in the piggyback girls on his vessels in the universe. The theme of a happily swinging maiden occurs next in three red figure vases of the pre-Crean period. These are the Skiffos by the Minerva painter and two by the ocean painter, all dating around 430 BC. The protagonist is here too the maiden, but the onlooking figures representing her social milieu in the late period are now absent. Instead, the girl features with a figure that pushes forth her suspended bifrost stool and can be a woman with her wool calabos, or an imaginary attendant, such as a savior or heiress. The bull calotos appearing in one example is a sign of female industriousness and is borrowed from domestic and neutral iconography. A few years later, the swing template may be tuned in an allegorical key in order to personify concepts associated with this play. Or is quoted by the mightiest painter with many figures, Himeros, desire, on the swing, is pushed forward by Paideia, play, as if to state that playful love in the guy
happiness of a name can be concept erotic desire in motion. Remarkable in the red figure 6 is the imaging of the swimming female as nubile maiden or bride with loose hair and transparent title, as well as the appearance of iconographic signs such as hanging fillets that denote the festive occasion. In the case of the Skiffos, the satyrs on both sides wear elaborate crowns. The one on side B escorts a veiled woman with a parasol. She has been interpreted by Erika Simon as the Basilina, the ritual consort of Dionysus at the celebration of their sacred wedding in the second day of the Anastasia. If this interpretation is correct, it is possible that the swing scene on the vessel's other side had also Dionysiac underpinnings, and Skiffos' overall imagery could be perceived in the context of the Anastasia. This was a spring festival celebrating the consumption of new wine and new growths on the occasion of Dionysus' advent to Athens. Many problems surround its reconstruction due to the fragmentary nature of the evidence, yet it is generally accepted that it unfolded in 3 days, all made after ceramic vessels, namely the Euphoria, the Chorus, and the Hippory. The former refers to the first opening of wine jars in the taste of the new wine, the second to a drinking contest using pitchers, and the third to the pots used for cooking seeds for the dead, or, according to another view, the pouring of libations. Scholarly efforts to reconstruct the Anastasia have been intensive, and the combinations of the disparate and late Anastasia with the rare and early visual evidence make a failure. Earlier research tended to collocate written and visual sources in order to fill in whatever gaps exist in our knowledge of the ritual acts, while more recently, the tendency towards critical analysis and reconstruction prevailed. Meanwhile, awareness of the autonomy of the visual and the literary sources, understanding of the paradoxality and strangeness of religious rituals, as well as realization that these evolve and change over time, urged for caution. Can the swinging scenes be associated with the Anastasia, a spring festival that ritualized wine consumption, while being concerned also with issues of new growth and new beginnings? And if yes, when did this association happen and why? Or was the Aurora Festival celebrated independently from the Anastasia on a separate day, as a late testimonial mentions? The saint pushing the girl on the Skiffos by the Penelope painting gives a first hint for an association with the Dionysiac divine. However, this evidence is not decisive, because saviors, imaginary creatures, may take on the role of attendants in the art of the 5th century BC. Still, visual references to wine may occur also on the hyde and the washing paper, which, besides stressing the erotic elements of the maidenly swinging by featuring arrows as its mode of course, add further an enigmatic element in its scenes, namely, a centrally placed, Pythos-like object. Although mostly identified as a sunken Pythos, some call the object from the baby Hydra, a carathos on top of a round Pythos, because of the presumed association of the Aurora ritual with the Hydra day of the Anastasia, which was characterized by gloomy feelings and communication with
very young and dead. Or an upside down baby's pedestal body on the assumption that since the Sera Catatoria appeared in upright position on a coos, which is a baseline related to the forest area of the Asteria, it could be also depicted in verse to suggest calcium views at the end of infancy. The objections here are that our maiden is not a little girl who just crossed from infant to child. Now the object does not show any openings for the child's legs. And that images should not be treated in isolation, as the pictorial object features also on the Louvre idea, where it resembles a sample pictures clearly less elongated than in its sister image. Still, the high flaring wall of the pictures like object on the Berlin idea is unusual, as is the painter's choice to depict it so centrally, as if directly associated an interior part of the swinging head. Interestingly, a vase by the Erechtia painter features this object also right next to the swing, and, importantly, the very surface of the image is a coos, based on associated with the Anastasia, as we said. The large chair bearing garments and the table with a finale and cakes on it must be seen as awaiting the advent of the divinity. Thus, this image can be classified as a ritual scene of Theoxenia. But the Theoxenia of whom? To complicate things further, swinging here is associated with boys, the smallest of which is placed on a suspended bifrost decorated with grapes, while two others await their turn to mount. The iconical object seems to denote an elongated and angular version of the bifrost that the Washington had earlier, yet it has been seen also as the mouth of a whale, or even an otarium for riding seeds in a house or a sanctuary. The rather small size of the object in more locations rules out the possibility of being that it may be a whale mouth. So it would be a peculiar sanctuary features, either to store wine or if in public use, an open bottle one in order to store in libations of liquid or other form. A comparison with other scenes featured in sampling vases suggests that some could have a similar high neck, as for example, an answer depicting wind figures for a liquid. And if ritual swinging took place at a special place or time, a particular type of vessel could suggest a specific sanctuary or a distinct day of the religious calendar, as can be deduced from the case of the chorus jars, which were used in the chorus day. The ritual meaning of the scene by the Erechtia painter can be further supported by a slightly later image by the Hermonius painter, later, again on the coos, which depicts women in priestly garments of time perfuming clothes on a swing. A boy and the big decorated chair are chair motifs of these scenes, but no pictures appears in the latter, perhaps suggesting that different moments of the same sequence of public events were meant. The testimony on the Aurora suggests either its occurrence in the future, third day of the afternoon, or its intended celebration in a separate day, sometime in the spring. The basic source is 3rd century BC
an idea. Where in his Catholic opinion, celebrating the Anthesteria mentions the annual rite for the body after Euphoria, and Paris. Although the phrasing has been judged loose as synonym, it still is in conjunction with the events taking place in the previous days of the festival. On the basis of this testimony, as well as the Caius' association with Dionysus and Greek culture, the Sunday ritual was placed in the day of the cathedral, a gloomy kind of All Souls Day, sacred to Hermes, the divine mediator between life and death. The date of the source can inform us about the 3rd century BC, but it is unknown whether the Iora, as the Livonis Memorial Day, was celebrated in association with the Anthesteria also in the 5th century, date of our refugee. Note, however, that an All Souls Day justifies such a memorial ritual. It was depicting Hermes releasing souls from the Pythos has been kept with the people as the day of the dead. Despite the appearance of the sweet singing maidens on Amphorae and Hyde, Mogonoids, which however show a true voice, the inclusion of Pythos in some of them made it at the Belarusian festival. Although it cannot be excluded that the Pythos was a visual index to the sanctuary of the wine related to the body or the festival in her honor, no evidence at all exists for such a type, thus making the Dionysiac connection definite. If connected to Dionysus, why do the sweet things to maidens an amphorae and hydra, and why the images are not overtly colored as on the horse, which depicts both on the string and the chair. Well, hydra of the classical period employed an iconographic repertoire focusing on women and nuptials. So it is possible that what is activated on these shape types is the erotic elements of the Iona festival. The sweet scenes with boys may suggest that, first, also male children took part in the custom of swimming, and second, that their ritual drawing is due to the fact that they decorate courts, the shaped eye linked to the Dionysiac ritual more closely than Amphorae and Hydra. Yet, if boys could also swim ritually, the custom would not have been linked with the Livoni in the 5th century, day of our cause, because the myth is solely associated with maidens. Or was ritual swimming practiced in more than one festival occasion? Or was this celebration all inclusive originally? The answer to these questions may lie in the gesticulating voice of the archaic swimming scenes, which show them indications to mount the swimming now calling the maiden. The images show a little boy touching the leg of the different swim, while two others, one their mothers, with open arms, as if asking to be lifted to it, and as kids do nowadays when they're any of them, not only one boy. These iconographic details may establish, I think, the thematic unity of the archaic and the classical swimming scenes, and show that they all belong in the same sphere of ritual swimming at a festival, where maidens, but also little boys, wait for an important. Whatever the festival, Iora or Anthesteria, let us know that the latter, Anthesteria, is particularly all-inclusive with girls, slaves, etc. So whatever the festival, children of both sexes and very
Italian figure four. This consists of at least four vessels, two hydrants, a skiffos, and a pedicos. All depict ornate girls or maidens, usually they're swimmed by arrows or a female attendant, so the erotic element is highlighted in the images. Luckily, such Italian painters are often quite eloquent. The most developed composition occurs on the Apulian pictures, which pictures swinging at the sanctuary and verifies the view that such scenes were perceived on the images of the picture. A woman, which is a girl, in a swing tied on a horizontal element, suggesting that the entire construction is set up for the occasion. Both figures wear the distinctive crown that we saw in the Penelope painter's sketch. The sanctuary is denoted by an Ionic column, on either side of which appears Hermes, and an altar with an adolescent boy holding a Stygian symbol on it. The visualization of swimming in a sacred setting, denoted by two of its most distinctive symbols, the altar and the column, as well as with the god Eris addressing the mortals, is impressive. The depiction of the protagonist at the center, almost crossing each other, prefigures their matrimony as the next step in their life, as suggested further by the fear and the poverty of it hanging from the altar. The image supports our understanding of the social dimension of the Agora Festival. It was an occasion of interaction between adolescents in the frame of a memorial celebration for an important maiden's death, the propitiation of which would ensure the safe maturation of all of the girls. Although it is unknown whether the Agora is celebrated in Italy, the image attests to the perception of its ritual dimension also in the Greek West. The presence of Hermes is worth noting. Is he there to mediate maturation? Or does he fit his figure function also as a hint with his sacred day at the Amphitheatre? The absence of any wine basis on this image leaves also this question open. In sum, no matter the association of swimming, either with the Agora as a separate festival or as a ritually appended at the Amphitheatre, the visual evidence underlines its performative character and ability to convey cultural concepts. These are associated with the maturation of youths, the interaction of young men and women, and the erotic potential of the neighborhood, all projected in the backdrop of religious practice, which in ancient Athens is linked to the vine as agent of civilization. Swimming is a characteristic place where a casual, ludic activity can acquire also a ritual function by being practiced collectively on a particular day and in conjunction with a mythical ecology which for everything is related to Dionysus. Thus, in addition to pattern-looking in here, it can become the vehicle of cultural metaphors that are of high importance to society at hand. Because you brought a passage of Calvary.
There are many people, many studies, many people think that in this passage of Tanya, there's a quotation of this saying, this ritual, but I think it is not true. And I think your paper is very good. Well, thank you very much. Do you think that the text of Pausanias is not authentic? Pausanias talks about the rescue of the millions of the Ephraim and says that Phrygia is depicted only on the screen. And Pausanias comments that why is Phrygia depicted on the screen? Because this poem tells the way she's going to die later by finding herself. So we didn't see the connection the ancients made with the death of the major by finding after the 3rd century of years in the Roman Empire. So do you think this passage is not true? But I think it is not true that it is only soon. Either is overall soon. If you read the passage of Pausanias, and I said the fact that it's not on the scene, it is only in the translation. Okay. It's not in the book. And Pausanias is the problem. The problem is that when archaeologists try to construct the painting that the memory describes with words, they turn to base paintings as a source in order to visualize and make a construction. So maybe this is not what you say, but I would like to cite you how you read it. I'm doing something in my article. Thank you for your interview. I have two questions. One is a very simple. The study of Boston Arthur is a very because it's an early one, do you have any conclusion from the 5,000 to the later when you have the actual motion or the meaning connection? That's I think that what it means in a regard with status, you are detected in a very stable fashion. Establishments. The only evidence we have is the three black citizens in the later period, then there is a bug, and then in the end, when that emerges the same topic in the left figure, which is the real year, but the onlookers are wrong. According to the conventions of classical art. And my second question, you connected with the tragedy of the women. And of course, you have the famous, very convincing argument that you call in your role about the tragic rape with the women too. And it just made me think, I mean, this was so early, so much more difficult than you think. Maybe this is something that shaped the way the tragedy of the women. It is very remarkable that this is connected to
even if we place the Amora in the atmosphere, or even if we place it, even if it's a separate festival, it still maintains its Dionysia and the Venus, because of the mythical planets. And because also the mythical Oresis, one in the other, it is a step-sister of Oresis, but the Oresis comes to Athens in the forest. He is the one who founds the custom of drinking with the goose. So the Dionysian connection is there, and it's very striking. And it's particular in Athens, in the Greek culture. Swimming is practiced everywhere. Everybody is in everywhere, making a merit everywhere. But it's association with the wine culture, wine consuming culture, and how this can be an often metaphors for civilization through wine and particular particular business. It's wonderful. I was still not know exactly, and I guess you also don't know if it belongs now to the atmosphere or not, but I think it's not so important for our purpose. Because we try to show that swimming is just part of being grateful and being grateful as we saw of the British presentation of India. So you have all there in a way. And we also have these wonderful classes of girls dancing, almost gliding in the air. You might know them better than me. They have a very playful sort of dance. Also, you have mentions of in Ireland that they flying and swimming would be about the same image. Yeah, exactly. Because the song was sung, during the Aurora. So you have a performative ritual act, similar, analogous to dance, plus the song. So all of this may be inscribed in this piece, dance, singing, choral culture, and all the associations here. Now, about the anesthesia, we also see what's been expecting long, that we keep it connected. But because we want to be very careful, we don't have very definitive answer, very definitive things that we show. Even the post by the Mighty Spender, showing the little boy next to the woman performing the house. If this little boy we call it Puss, who would become? You could have seen a little boy in the school, but you have all the boys. So that seems to be waiting their turn. They are older. They are created with the children of the people. Very small. Thank you.
to use a big picture by combining visual evidence and the texts. The next generation scholars deconstructed everything. Nowadays, I think we need to be critical and see where we can combine and how. Thank you. And we will pursue a reflection on how pictures construct reality and how we can understand different methods and despite the picture and the questions that we have. Deux images, deux contextes différents sont à l'origine de cette présentation. Tout d'abord celle que vous avez sous les yeux, dessin de la taille de 1 cm trouvé là avant, la métropole du lieu dit en Jacques, la renovation de la ville antique d'un petit corps. Elle montre un amour bien reconnaissable, son corps d'enfant, ses ailes, aux genoux en terre, et regardons ce que l'on peut identifier très clairement comme des Zosnet, l'Astragalé, bien représenté, une représentation connue par ailleurs, entre de nombreux exemplaires. Mais c'est ici la situation de la trouvaille qui va nous interroger. Deuxième élément sur lequel je vais insister, c'est plus particulièrement, c'est une plateforme murale trouvée dans la pays, qui a servi à plusieurs reprises à illustrer les jeux de l'Antiquité, le tableau de bébé, songeuse, à côté de ses enfants, juste de voir aux océans. Véronique Bazin, en particulier, utilise ce tableau en référence régulière, tout comme moi d'ailleurs. Je suis heureux aujourd'hui de revenir à l'occasion de ce tableau. Deux amours, deux hérothèses occupées à différentes activités, et on en voit une série sur les livres, sur les sols, sur les rivières. Ils sont largement conduits. Indiquer qu'ils sont dans l'artisanat, dans les cultes, au sein de différentes scènes de guerre, de fêtes, de cultes, le contexte funéraire aussi a toute son importance. Moi, Robert Turcan a pu dire que dans une société à fort taux de mortalité infantile, il y a une forte assimilation entre le monde des enfants et le monde des amoureux. Hérothèse avec une partie symbolique, bien sûr, importante. Des frises où l'on voit jouer les amours, où l'on voit en train de s'activer sur les tâches quotidiennes, ne sont cependant pas si fréquentes que cela. Les frises sur fond noir et la raison des vêtements sont bien connues, tout comme celle que vous avez sous les yeux, frise de la maison des serres à Herculanum, maison patricienne avec vue sur la mer, c'est un certain style. Donc, une dernière semi-enterrée était régulièrement garnie de petits tableaux non pas sur la forme de frise que vous avez sur les yeux, forme de frise qui a été créée au XVIIIe siècle. C'est une série, c'est un véritable programme qui se fait jour. Dans l'ordonnance n'est pas assurée. On y reconnaît de gauche à droite, depuis le haut, un amour qui porte une lune, joue de la lune, sur un char tiré par des buffets. Deux amours dont l'un tient une baguette, l'autre un texte sur son épaule, un vase en la droite, faisant ainsi clairement allusion à une ambiance magique. Un amour sur un char, tiré par deux autres amours, trois amours jouant un cache-cache. Sur la deuxième ligne, un amour esquisse un pas de danse en tenant une torche baissée, signe du jour du bel soir de la nuit. Un amour ensuite qui met une couronne. Dans le tableau suivant, deux amours dansent, puis un amour joue de la flûte, devant un amour dansant, un amour jouant de la cithare encore. Dans la dernière ligne, les amours parfumeurs, les amours arpenteurs, on a un point d'interrogation, les amours cordonniers, les amours menuisiers. La série n'est pas complète, le reste des tableaux est en partie visible sur place. Mais la série que je vous présente ici suffit à développer le côté jeu, bien sûr. Côté jeu du côté du chariot, jeu cache-cache,
l'amour se faisant passer pour Apollon tiré par son charme et par des bouffons, imitation d'activité quotidienne, il y a danse, il y a musique, l'illustration en fait du Paizheim et même du Pakiazheim dont nous avons parlé hier, la danse magique qui est évoquée de cette manière-là. Cependant, un des tableaux pose problème. Il est généralement interprété comme la représentation d'amour jouant aux Aglinensores, autrement dit, jouant aux arpenteurs. Le fait qu'il y avait de la corde qui tourne entre les deux personnages, les deux amours qui sont sur la gauche. Un point d'interrogation figure encore dans la publication de 1986, mais il a disparu dans les ouvrages postérieurs édités par le Musée national de l'Inde. 1993, 1995, dans un catalogue encore, 2007, la chose est acquise, nous avons affaire à des amours Aglinensores. Mais, comme on l'a vu dans les scènes précédentes, le constat, le contexte surtout dans lequel se meuvent les amours, n'est pas anodin. Ici, c'est l'intérieur d'un bâtiment qui est clairement donné. On en dit aussi qu'il y a des arpenteurs au travail. Cet intérieur fait fortement pensé à l'endroit même où il figure, c'est-à-dire dans un double portique, un petit de ces galeries souterraines ouvertes sur l'extérieur, présentant précisément les fenêtres du type qui sont présentées ici. Deux amours dans une corde, celui qui est en avant-plan tient plus un bâton auquel semble fixer des anneaux. Pour avoir revu le tableau en question, des éléments font penser à des anneaux. Qu'on pouvait mettre en action précisément ce qui a été évoqué hier dans le texte de retour des cerceaux. Le troisième amour s'élance en levant son bâton de la main droite. Le bâton, on l'a vu, c'est régulièrement ce qui est représenté dans la série de ces amours. Il est en main de la plupart d'entre eux, c'est lui qui unifie le sujet, qui fait véritablement le programme. C'est donc du point de vue de ces observations-là, à un jeu auquel on a affaire. Et je remercie particulièrement Véronique de m'avoir fourni les textes en question, qui est l'Onasticum et le Pollux, un jeu qui fait penser à, au jeu du Pindalismos. Je vous dis ici, je n'ai pas le texte grec, vous me parlerez, mais les éléments principaux sont donnés. Le Pindalismos, un jeu avec des baguettes, on dit en fait Pindala, Patanoï, Passaroy, bâton, chevilles de bois. L'action du jeu n'est pas seulement de fixer solidement un bâton dans la terre, mais aussi de frapper, de faire tomber le bâton qu'on a fiché dans le sol en frappant son sommet avec un autre bâton. D'où le proverbe à un bâton, un autre bâton. Les poètes en Dorien aussi appelé celui qui joue à ce jeu, il est le Kindalo Paites. Et chez Zitius, Kindale, c'est un jeu Paidiatis. Et quelques commentaires, Pater ont pris le terme Kindaloi comme synonyme de Skitalai, bâton, d'autres comme schéma géométrique, Pater. De fait, on disait Kindaloi pour le Passaloi, bâton, et Kindalopastes pour le Passalistes, le joueur de Kindaloi. Le Kindalismos en grec, le nom latin n'est malheureusement pas connu, devait sans doute faire référence au mot baculum, le bâton, la donnée en français la baguette, ou la ferula, la baguette, la ferrule, mais aussi le bois de serre. Bois de serre, qui a une importance particulière dans la maison de laquelle nous nous trouvons. Il peut s'agir aussi du fustis, le bâton pour frapper, auquel on pouvait attacher une fronde, et bien ainsi le fustibalus. L'étude mérite encore d'être poursuivie. Donc, une scène de jeu qu'il faut sans doute comparer précisément à la scène qui sert d'affiche au programme. Et aussi, je remercie Véronique de m'avoir fourni les éléments de texte qui permettent de la définir. Une scène de jeu qui a été découverte dans la maison de Marcus Lucretius à Pompéi. Une scène sur fond blanc qui nous montre comme bâton avec des enfants. Des enfants proches des amours, des enfants qui ici sont
avec un personnage, tête au centre, personnage au centre qui tient une licorne fixée au sol par un bout ou plutôt par un bâton. Et c'est un bâton que tente de faire tomber les deux enfants qui sont à la gauche de celui qui est au centre de la scène, qui tient la corde. Toujours est-il que les deux autres acolytes au bord de la scène tiennent eux aussi des bâtons. Donc chacun des enfants présents dans cette scène porte un bâton, à l'exception de celui qui tient la corde au centre, et du dernier personnage penché comme caché derrière un autre personnage qui lui tient sans doute une corde à nouveau. Cet élément suggère non pas la kinesthésie, mais un jeu du collectif. Un jeu du collectif en acteur avec d'autres scènes d'amour, trouvées dans la maison de Marcus Lucretius, des scènes d'amour où l'on voit en particulier les amours vengeurs et non pas isolés, comme on le voit en particulier. Un jeu collectif qui montre des scènes de vendange, bien sûr, et qui nous invite à voir dans ce jeu la scoliophilinda, un cercle formé où l'un des joueurs tient une corde, un cachette, et essaie de la placer autour d'un compagnon à son insu. Et si celui-ci ne s'en aperçoit pas, il doit faire le tour du cercle en courant, tout en étant fouetté. Le geste nous le montre ici clairement sur cette prise. S'il s'en aperçoit, c'est lui qui va poursuivre, fouetter son camarade. Là aussi, il cherchait à mettre en parallèle le latin qui pouvait correspondre à cette scoliophilinda. Il devrait sans doute se rapprocher du mot funis, cette corde que l'on retrouve dans le mot funambulus, le danseur de corde précisément, et dans plusieurs expressions comme funens equipotus quam, ducere, obéir plutôt que commander, ou funens ducere, retirer la corde, comment dire, se rétracter, avec cette allusion qui reste vraie et qui fait le lien avec l'arpenteur, finalement, le funiculus, le cordon de l'arpenteur. Deuxième point sur lequel j'aimerais insister, c'est la présence de joueurs et joueuses de scène, en particulier par rapport à la métropole. Dans les scènes montréennes que je lis parcourues, les amours ne sont pas présentés en train de jouer aux scènes. On n'est pas rencontré ni dans les amours. Comment comprendre la chose? Peut-être que Taylor présente les amours ou enfants jouant aux austères. Il existe, par contre, une statuette du type Tanaka, comme celle que vous avez sous les yeux au centre de l'image, collection Campana, l'Acropole d'Athènes. Elle datait de la seconde moitié du IVe siècle, avant Jésus-Christ, elle montre une des attitudes caractéristiques de la joueuse ou du joueur de scène. Cette attitude à genoux, la genoux proche de la terre, elle a été trop précisément gardée en tête pour reconnaître certains joueurs ou joueurs de scène sur le dos de son corps. Comme on l'a dit à propos de cette joueuse de scène, le hasard auquel se livre cette jeune fille envoie un destin au dieu qui préside. La future épouse s'en donnait à Aphrodite, avec ce coup d'Aphrodite précisément, ce meilleur coup avec chacun des quatre sept tombés sur une face différente. Et d'ailleurs, la jeune fille qui s'apprête au mariage va précisément frapper la philastradae, l'amoureuse possible. C'est par ailleurs un jeu qui est fortement pratiqué par les jeunes filles, et dont succès ne va pas se répartir jusqu'à cette représentation de jeunes filles jouant aux obstacles présentées au musée, au Pergamon Museum de Berlin. Cette vision des obstacles, particulièrement dans l'Empire romain, n'est pas celle que l'on va voir généralement présentée avec les joueurs de vie. Et comme pour confirmer ce qui a été dit hier à partir du texte d'Artemidor sur le jeu des pions, la présentation des joueurs de dés, pour celle qu'on connaît à Pompéi et qu'on connaît dans plusieurs autres supports à l'époque romaine, se retrouve sur des murs d'auberges essentiellement, avec invectives, avec commentaires, et à mettre précisément en lien avec les mauvais garçons, comme on l'avait dit dans le texte d'Artemidor. Le jeu est présenté sur plateau,
Et donc au sol, comme celui des osselets, il sort du monde des enfants, des infantes, des jeunes filles, à la frontière précisément, le monde des enfants et le monde des adultes. Dans deux cas, à l'époque romaine, les joueurs de dés prennent un sens particulier, comme l'a démontré en particulier Jean-Pierre Darmon dans un article récemment écrit dans ses mélanges. Il mène une réflexion sur la mosaïque Rochereau de Carthage et il s'interroge sur l'une des scènes en forme de début permettant de comprendre le nom du cheval représenté. Sur cette scène, un cheval qui appartient à un certain Pancratius Pancratini est précédé d'une athéna, lui-même, qui désigne un groupe de joueurs de dés, avec planches de jeu, deux dés, quatre jetons, un tournée. La présence d'Athéna est sans doute à mettre en relation avec le sanctuaire antique de Skiron, qui avait mis en évidence Salomon en 1965 lorsqu'il a présenté et étudié ses mosaïques rouges, la mosaïque rouge. C'est un sanctuaire antique qui est fameux pour ses jeux de hasard, au point que l'on va appeler Skiraphéon ou Skiraphéites, c'est une raison de jeu et le joueur de jeu. Est-ce à dire que le cheval devait s'appeler aléatoire, ce qui est le but de la recherche de Jean-Pierre Darmon, qui propose Salomon en 1965, une mosaïque belgienne qui vous été présentée tout à l'heure, sur votre droite, nous montre, quant à elle, une autre solution. Les joueurs de dés sont intégrés au centre d'une mosaïque avec toutes sortes d'offrandes, séminaires, au milieu des saisons. On s'attendrait dans une telle position à voir un héros en particulier, une divinité cosmocrator et un anus, une eternitas, un saïkoulous. Mais c'est sans doute à Ion qu'il faut penser, nous propose Jean-Pierre Darmon, à la suite d'une phrase bien connue dans l'Antiquité du philosophe Héraclite d'Éphèse. Ion, païs esti, païsum, Tesseurum, Paidos et Basileide. Vous pouvez traduire de la manière suivante. Aion est enfant, il s'amuse, joue au dé, c'est règne d'enfant. Les jeunes gens belges, comme de Carthage, représentent l'Aion. Et au-dessus la recherche de Darmon, le nom du cheval serait adopté pour le côté Maïterista et Maïteritas, Aion même. On ne connaît pas un cheval secularis ou un maïteros. Pour quelques éléments à la table, je ne vais pas insister sur cet aspect, quand on a plus des articles pour le monde de la stagale, mais je présente ce qui est. Les osselets sont généralement en 5 pour le jeu, pour lequel on connaît le nombre de tombes, de sanctuaires. Dans le côté Locke et puis Éphétienne pour sa grande série de d'osselets tout à l'heure, sanctuaire où les jeunes filles consacraient leurs jouets d'enfants, ont pris des osselets. Et dans un contexte funéraire, c'est aussi le destin que l'on va évoquer. Un destin qui a contrarié, par exemple, une jeune fille morte avant mariage. Il n'y a pas de précision, malheureusement, sur comment il est là, on connaît les 5 osselets de la diapositive, mais il est remarquable. D'observer un jeu complet dont un seul porte une inscription que je propose d'interpréter quand j'avais proposé Emma au bout et la lecture tout à l'heure du texte de Lydiade au livre d'un poids avec Emma commençant le passage qui évoque les osselets et ses jeux à l'origine du dessin patroque m'invite à voir un Emma de moi. Autrement dit, l'équivalent inscrit du l'astragale, maître du jeu qui est proposé ici en faisant un peu. Que dire de l'astragale plus large de Romanus ? Je laisse les spécialistes en dire plus. Sinon, il y a cette proposition qui pourrait vous trouver pour garder cette série de salles et sa communauté. Un élément discutable pour en discuter tout à l'heure. J'en arrive à la scène de la maison des Dioscures, où l'on voit Mémé à côté de ses enfants,
Moi, bon, je sais. Une mêlée qui a ici une attitude méditative, une attitude de recueil en un certain sens, méditant ce qu'elle va faire subir à ses enfants, comme le disent de commentaires. C'est surtout les astragales qui sont mis en évidence, sur le point de ce bloc de pierre, sur lequel est installé un des fils de Mélée, alors que le deuxième circuit, l'histoire est connue, grâce à la tragédie de Vide, la tragédie de Vide, la poète tragique de Sénèque, l'héroïne douce de Vide en particulier, on sait que Vide avait fait une mêlée qui n'a pas été conservée, malheureusement, mais qui a eu un grand succès d'après le commentateur. Le sujet a été traité picturalement par un Aristolaos de Sicyone au IVe siècle et par un Timomaque de Byzance, le site a donné la datation entre le IIIe siècle avant Jésus-Christ et François Corvin César. Connu en tout cas pour une mêlée imaginée. Le tableau de la maison des Dioscures est daté du 3e quart du 1er siècle après Jésus-Christ, soit 4e siècle après Jésus-Christ, contemporain de sa mêlée de Sénèque. On peut cependant le mettre en relation directe avec sa mêlée. Aucun vieillard pédagogue, comme il apparaît clairement ici, n'y apparaît dans la tragédie de Sénèque, et manque sur le tableau de Pénia un personnage omniprésent. Et la nourrice. Pour rappel, Mélée, réfugié à Corinthe avec ses enfants et son mari Jason, apprend que celui-ci épouse Créuse, la fille du roi Créon. Mélée décide de se venger en faisant porter des bijoux et un manteau empoisonné pour Créuse, qui en meurt et entraîne son père dans la mort. Et pour mieux se venger de l'infidélité de Jason, elle tue ses enfants. Elle est ensuite emmenée dans les airs par un chat magique. C'est bien plus à la mêlée de l'Euclide qu'il faut songer quand bien même à celle d'elle-même n'est pas écrite par un vers du poète. La mêlée de l'Euclide commence par un dialogue entre le pédagogue et la nourrice, et à la fin de son prologue, la nourrice va s'exprimer en ces termes. Mais voici venir les enfants qui ont fini de s'exercer à la course des malheurs de leur mère, ils ne se, soucient point. Âme jeune n'a pas coutume de souffrir. Maintenant, il nous faut garder en tête pour prendre l'interprétation de ce tableau. C'est précisément cette insouciance qui apparaît entre les deux frères, le blond, le brun. Chez Euripide encore, vers 67 et suivant, le pédagogue parle de nouveaux malheurs. Et il dit « J'ai oui un propos sans avoir l'air d'entendre, m'étant approché des joueurs de pions, de dès la traduction d'une lettre, Pessus Procellum, là où s'assoient les anciens autour de l'eau sainte de Pyrène. Les enfants vont être chassés pour la nous apprendre de Pyrène. Et la nourrice recommande aux pédagogues de tenir les enfants à l'aide de leur mère. Et particulièrement à mettre en évidence, dans le cas de l'évocation des astragales, le vers 613 de la Médéliopithie, où Jason dit à Mélée, il demande un délai pour partir de Corinthe. Je cite, je suis prêt à te donner pour les garçons et pour ton propre exil un gage, les signes volants, un signe de reconnaissance, et le scoliaste pour faire en question ajoute les signes volants en question sont des astragales. Euripide ne précise pas la chose, une indication tardive peut-être, due précisément à une autre version de la tragédie. Ou d'un tableau comme celui qui est à l'origine de la maison des Dioscures. Toujours est-il que ce sont bien les astragales qui sont ici le centre de la scène. Tous les regards convergent vers les astragales. Pascal Quignard a été fasciné par un tel tableau. Il évoque dans le sexe et le froid, et dans un opuscule sur une image qui manque à nos jours. J'ai le résistant plaisir de vous citer deux passages qui mentionnent les astragales dans la vision de Pascal Quignard. En Grèce ancienne, voici la façon la plus commune dont on jouait aux osselets. On plaçait quatre osselets dans le creux de sa main, on refermait sur le tréfort sa paume, puis on lui lançait tous les quatre en l'air. Hein. Une fusée dans l'air, comme des spores qui s'envolent du calice qui s'ouvre d'une fleur. On retourne très vite la main au-dessous de leur poil pour en recevoir le plus grand nombre possible sur le dos de la main ou sur ses propres phalanges. Alors on lit l'avenir.
Donc, on parie sur le nombre d'atomes. On interprète l'alliance des faces entre elles. On assemble les lettres qui sont inscrites. Quatre lettres, je saute une partie. Enfin, quatre slips étaient utilisés à chaque coup. 35 combinaisons sont à chaque fois possibles. Chacune de ces 35 combinaisons porte le nom d'un lieu. Par exemple, recevoir d'un seul coup sur les quatre doigts retournés les quatre positions et le fait de la fois. Ce coup d'Aphrodite, bien, c'est précisément celui qui est étalé devant les deux fils de l'aîné. Ils sont donc devant le meilleur des coups. On va voir plus là aussi en détail la manière dont les astaganoïdes sont présentés. Ils sont chacun différenciés dans leur présentation. C'est le meilleur coup du jeu en lien avec la promesse de l'aîné au vers 1018 de la médée de l'aîné. Vous aurez un jour. Le premier rang, avec vos frères, croisez-vous que reste l'œuvre de votre père et que les dieux vous soient propices. C'est la mise en évidence aussi de la main droite de Médée, main de la réconciliation, main que Médée demande que l'on presse au vers 1069-1070, main heureuse du fils qui a lancé le coup d'Aphrodite, et main et bras d'Aura, clairement différenciés. Aussi bien avec Ivanon, qui a présenté la même scène, que sur cette représentation, bras droit, clair, mis en évidence, alors que le bras gauche reste glissant. Un même seul au départ, qui fait penser à la, au vers que prononcent les enfants de Médée, vers 1272, ou cuir les mains de ma mère. Là, devant mon maléfice. Il est intéressant de mettre précisément cette représentation en regard d'un deuxième tableau plus ancien de cette même scène de Médée à côté de ses deux enfants, Dernéros et Thérès. C'est une scène du troisième style entre 20 et 25 après Jésus-Christ. On voit le pédagogue, le vieux pédagogue signalé par ses cheveux blancs. On insiste sur cette mèche. Médée, elle, toujours méditative. Alors qu'auparavant, l'aîné, sa proposition patriarcale est intéressante, plutôt représentée en mère. Le pédagogue sur le toit, comme un petit péricule intervient sur le haut de la scène, il descend du toit, accompagné des deux fils de l'aîné. Et la scène se passe toujours à l'intérieur, élément important, à l'intérieur de la maison, plus encore que sur la maison des muscules. Avec un lien, cette fois-ci, évident avec le gymnase. Tout à l'heure, je vous citais cette course à laquelle ont participé les deux fils de Médée. Ils sortent du gymnase, ils arrivent dans la maison, et tellement qu'il n'apparaît dans aucune des traditions que nous avons, ils se jouent à l'astragale. Et tout en jouant à l'astragale, sur la scène que nous avons sur le jeu, nous avons un des enfants qui est dans représentant avec la peau sombre, l'autre avec la peau claire, qui traditionnellement, même caractéristiquement, toutes les représentations de Panis avec votre mère, marque la lutte entre deux personnages, entre le plus âgé et le plus jeune. Et c'est certainement cet aspect-là que le peintre a voulu mettre en évidence. Autre élément encore, vous voyez difficilement, c'est le fait que le plus jeune, sans doute, celui qui a la peau claire, porte des bracelets sur les bras, sur les jambes. Non pas pour montrer qu'il est une fille, mais pour montrer sa beauté. Pour montrer sa beauté parce que, précisément, quand les sécurités, comme d'ailleurs chez Sénèque, est souvent rappelé le fait que les enfants de l'été sont de la génération d'Apollon. C'est des enfants d'Apollon, de la mine et d'Apollon que l'on voit ici. Et l'enfant à la peau bleue tient même un rameau de bordée pour signifier sa victoire dans le jeu d'Astragal, qui, à nouveau, comme tout à l'heure dans la présentation de la maison des muscles, étale quatre faces différentes d'un Astragal des Astragal. Donc, on a ici, à nouveau, un jeu extrêmement fin sur la représentation des deux fils qui ont statut fort, celui d'Ephèbre,
ont des fèves en devenir précisément, et qui, comme les jeunes filles décédées avant leur mariage, jouent aux osselets tout en se préparant à être fils le roi. C'est leur destinée qui est en jeu, une destinée qui devait être favorable, et que la folie, c'est la cause là qu'il faut voir Angelès de Médée, va détruire. Médée en femme, en mère, médite un crime dans la sphère privée, c'est intérieur, où l'on joue précisément en place à la différence des représentations des dans le domaine public ou dans les bâtiments publics à l'époque romaine. Mais cette même Médée, la manière dont elle tient son Médée, transgresse les normes sociales, les normes patriarcales, en usant de l'abandon, son prix, et non de la magie. Participe à cet événement, ce que Anna, en 1922, n'a pas mis en évidence, c'est précisément les astragales, l'importance du jeu d'astragales, dans toute la destinée et le tableau que nous est présenté. Autre élément à mettre en évidence, le fait que le tableau de cette maison de Jason fait partie servir dans la chambre à coucher où il va paraître avec un choix particulier d'une importance du contexte dans sa présentation sur le couchant, alors que sur les parois nord et sud, c'est Paris et Hélène du Pas, c'est Feldman envoyant sa lettre à un comité de clarence qui sont représentés. Trois amours qui vont se terminer de manière désastreuse, dans un programme lié aux héroïques, tous représentés par les héroïques de Dieu. Il existe, mais malheureusement seulement sous la forme d'un dessin de Romain, une vision qui est faite directement référence au théâtre, avec représentation de BD en portant un masque tragique, avec les deux enfants de BD poussés par leur pédagogue. Mais ici, le discours autour de l'astragale n'est plus prépondérant, mais dans un instant suivant de récit. Et j'aimerais vous terminer, insister sur deux aspects encore, en revenant sur cette plaque de marbre peinte par Alexandre Lacaille, où l'on voit cinq figurines sur une plaque de tous les documents. Et par rapport à ce que je viens de vous présenter, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la réunion de quatre, cinq jeunes femmes en cercle, avec évocation des noms qui sont reportés sur chacune d'elles en atteste, d'être au centre d'une page, d'être sur sa tête, sur les femmes qui sont debout, l'obé qui est suivi par Fédé, qui a à ses pieds Elaïra, sa sœur, et face à elle, soit sa troisième sœur, elles sont toutes trois, à ce moment-là, fille de Leucippos, qui serait Aglaé. Toute la tradition de parler d'Arsinoé, Aglaé serait-elle l'une des trois grâces que nous montrons dans leur planète, comme connaît la ligne d'entre elles. Et ce qui est important ici, c'est qu'à nouveau, le jeu d'Astragal est installé dans une ambiance domestique, dans une ambiance féminine, avec, si l'on peut dire à la clé, l'histoire tragique de Nodé et de l'Écho, ce destin tragique des enfants de l'Écho qui sont inscrits emprunts sur la plaque de marbre en question. Et récemment, la présentation d'un fragment de peinture de la Villa Isabella en Bretagne serait sans doute, il me semble-t-il, interprétée comme faisant partie d'une scène représentant une frise du même type que celle que l'on voit sur la plaque de marbre présentée tout à l'heure. Je termine par deux représentations. Une première qui nous fait voir un anneau avec un taille trouvé par Rome, où la présence même des astragales est leur sourire, mais le geste qu'adopte l'anneau, ce genou en tête, cette manière de lancer la main, suffit à montrer les caractéristiques, le type que de devenir. La manière de représenter un amour aux osselets, un astragale. Et cette manière, ce type qui se détache de cette manière, fait, à mon avis, revenir sur l'interprétation qu'on donne généralement de la statue
législature, quelqu'un ne va m'aider pour préparer son été pour tuer ses fils qui ne sont pas suppliants, mais qui sont condamnés et qui gardent de leur jeu d'instabilité cette position agenouillée au pied de leur mère. Ce qui explique aussi la tête tournée sur le côté que les deux fils présentent et non pas dans une attitude connue de supplication face à leur mère. Et je terminerai sur cette propos de la diapositive pour vous souligner cet aspect lié à la phrase d'Héraclite. Dans un tango, les différents moments de jeu de l'enfant sont présentés, s'intitulent bambin, qui se promène la version, d'un selon les appels, et illustration, de cette continuité de l'agone de l'éternité qui est Paris. Je vous remercie. Une question avec une remarque, je pense, par exemple, c'est à propos de ce qui est en face de l'article de l'avenir, parce qu'en fait, le temps que l'article de l'avenir passe, il est sans doute resté lié à l'utilisation du terme de ce qui est en face. Et donc, Twitter nous dit qu'effectivement, ça vient de l'article de l'avenir, mais Tagliarda a fait remarquer qu'il connaît son vrai utilisation du terme avant que, probablement, le sanctuaire. Donc, même si c'est une technologie savante, est-ce qu'on peut peut-être à propos de, je crois que c'est dans la résolution de la première vie du jeu mal interprété, comme ce sera un peu de l'histoire, enfin de l'usine, mais il y a une forme, il y a enfin, c'est pas ma description du jeu. Alors, bien sûr, moi, je vais commencer à l'indiscriminable. Il s'agit de ce que j'ai dit d'accord. Alors, peut-être que le point de vue, ça correspond à ce que j'ai dit. Passado, c'est le plus. Là, la fois. Merci beaucoup. Je vais vous remercier sur ce sujet. C'est-à-dire que tout le monde se partageait les connaissances, on se partageait dessus.
Donc, le petit dessin ne donne pas de tout, et donc, je pense que vous pouvez poser la question, parce que cette image ne fonctionne pas. Les images, les mêmes que vous avez dit, elles la tête, alors que c'est là, ils font partie. Ah, regardez, ce que vous avez étudié, c'est aujourd'hui. C'est moderne. Oui, c'est un moderne. Oui, c'est très moderne. Il y a une vidéo qui se tient. Non, mais dans les moments, parce que dans les manuels, sur les vidéos, il y a des visages de siècle. C'est plutôt ça, je pense que dans le théâtre, tu le dis en forme, et il y a des panneaux qui sont différents, donc c'est vrai que c'est un peu plus ce jeu, non seulement face à l'ennemi, mais aussi au frontière de l'empire, avec ce qui est
peut dire, la sécurité du destin. D'autant plus qu'on a vu des états précisément mettre l'accent sur cet aspect fort, fort, c'est une série de jeux qui montrent précisément le coup, même si le modèle de l'Orient, facile cette série de jeux qui insiste sur la présence dans ce point. Isn't it that these forests and the forest place for life or death? If he's a star of God. In any way. Yeah? Mm-hmm. And on the other side, it has to do with gas and the deer, so it's also linked to the animals. So will they come together or not? Yes. And it's interesting, effectively, I have talked about the effectively, je m'interrogeais sur l'effet. L'effet est présenté toujours d'une manière qui n'est pas du tout une manière traditionnelle. C'est une idée retournée de l'État en direction de l'Église, en direction de ce qui est une femme, précisément. Et dans l'autre cas, sous la raison des blessures, l'été n'était pas vraiment prise, comme c'est la belle qui se sent bloquée, la belle permettant de la sortir dans un chaque geste masculin. Donc, je vois plus là la transposition de la nature de l'été qui va accomplir son dessin qui est véritablement folle, ce qui explique, à mon avis, la seule manière d'expliquer ce charme partant. Elle ne peut de ce fait-là rester une femme normale. Je crois plus cet aspect-là que de côté ou voir la question. Alors, une chance de la place du monde, on ne peut pas faire un peu de soleil.